Comment on l'appelle en cinéma, un texte? C'est un nom particulier, un nom difficile. Jeune homme. Oula. T'as déjà écrit du scénario, toi? Non? Effectivement, on va parler de scénario. Dites-moi, on est où, là, aujourd'hui? À l'école. À l'école. Pour vous, un film, c'est quoi? Il y a quoi dans votre film? Dans la période que nous allons cibler, vous voyez la période de la représentation de la ville de Mediolanum, on la situe là, vers la fin du 1er siècle après Jésus. Donc c'est surtout sur cette période-là qu'on va se concentrer, on va choisir cette période-là de l'histoire, 1er siècle après Jésus. Voilà, maintenant ça, vous jouez. Donc on met la lumière? Oui. Ok, on met la lumière. Il y en a dit qu'elle pouvait être comment la lumière? Parce que ça, c'est important. Ah, mademoiselle. On peut mettre le flash. Ah. Nicolas, tu as quelque chose à rajouter ou pas? Ben moi, j'en sais rien. Hein. C'est vous, les réalisateurs. On va parler de l'Antiquité. Et on va servir de quoi pour parler de l'Antiquité? De l'histoire. Et de l'histoire. Maintenant, on va travailler là-dessus aussi. À un moment. On va créer une musique spécialement pour le film. Et est-ce que c'est le fait de parler qui est important dans le cinéma? Écrire une histoire quand on est tout seul, c'est pas facile. Parce que déjà, il faut avoir plein d'idées, etc. Il faut l'emmener de A à Z. Là, nous, on va écrire l'histoire tous ensemble. Ça veut dire que c'est super génial parce qu'on va pouvoir assembler nos idées, nos forces et tout ça, mais c'est pas facile parce qu'il y en a qui voudront aller dans tel sens et d'autres dans tel autre. Donc il va falloir qu'on continue à faire une bonne équipe et à chaque fois qu'on trouve les solutions. Donc voilà le petit film. À l'époque de Mediolanum sont au nœud, et l'arbre de Germanicus et Drusus, les Gaulois avaient des coutumes, ils s'appelaient tous Pyrrhus.